Argo Teddy. Argo Teddy. Baudouin Dimitri. Présent. Hilary Pablo. Mazèche Lucilia. Présente. Robin et Marc. Sissoko Sandy. Chivardi Laetitia. Très bien, je serai marqué absent. On reprend la leçon de la semaine dernière, la leçon d'économie. Éteignez et rangez-moi ça tout de suite. Toi, sors ton bouquin. Page 47. Toi aussi, sors ton livre. Très bien, si vous croyez que c'est comme ça que vous aurez le bac. On verra si vous rirez autant à la fin de l'année. Qui c'est qui a fait ça? Toi, sors tes affaires. Marche, lever la main sur ton prof. Assieds-toi. Allez, dégage de ma classe. Que le délégué l'amène à la vie scolaire. Et vous vous installez tout autour là, je vous expliquer un peu. L'objectif de cette sortie, c'est d'apprendre et de donner l'exemple. Teddy, au lieu de bavarder, tu peux me dire pourquoi on est venu là aujourd'hui? Pour faire un pique-nique. Mais non, c'est la semaine du développement du truc là. Durable. Voilà. Donc je vous ai dit en cours qu'on allait procéder à une chasse aux déchets. Ouais, bah pour ça c'était pas la peine de se déplacer. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah on pourrait commencer par le lycée, c'est pas les déchets qui manquent. Des déchets au lycée? Bah ouais, des déchets humains. À commencer par les profs. Faber, tu le vois le déchet? Complètement, c'est un dégoût ce mec. En plus, il pue. Il se lave jamais, il doit pas avoir de douche chez lui. C'est un bouc ce type, tu m'étonnes qu'il soit célibataire. Avec une tranche pareille, il n'y a pas plus sur deux meufs. Il devrait se mettre avec la grosse Deb, avec les litres de parfum qu'il se fout sur la tranche, il s'en rendrait même pas compte. Mélissa, ce chewing-gum que tu viens de jeter, tu sais combien de temps il faudra pour qu'il soit dégradé naturellement? Il faudra au moins 5 ans pour qu'il soit biodégradé. Bah, de toute façon, avec tout ce qu'elle picole, elle risque pas de se rendre compte de grand chose. Elle craint celle-là, elle peut pas me saquer. La tête de ma mère, j'ai repéré sa voiture, tu vas voir le jour où elle va démarrer le feu d'artifice, boum, ciao la grosse, biodégradée. Ça fait un moment que je l'avais capté elle aussi. Sans parler des menaces pour les oiseaux qui le prennent pour de la nourriture. Ça vous intéresse ce que je raconte? Pas des menaces. On va passer aux travaux pratiques. Allez, chaque groupe prend un sac poubelle. Oui, viens, c'est là.
d'abord distribuer les taboulés. Quelqu'un veut un taboulé? Un coca, monsieur Sauvignon. Vous vous installez autour des arbres. Vous vous mettez par groupe autour des arbres et vous pouvez manger tranquillement. Ciao. On va démarrer, tu vois. Toi, tu as rattrapé. Comme moi, je le ferai pas. Ouais, j'ai plus 5. On est censé les... Ton moral, là. Allez. Monsieur, j'ai oublié ma veste. Oh, c'est pas vrai. On en fait chier, on nous attend de l'autre côté de la ville. Où c'est que tu l'as mise, ta veste? Par là-bas. Tu peux pas être un peu plus précis? Bon, allez, ça va, j'y vais. Allez, hop. Bon, allez, démarre. Monsieur, et ma veste? Bonsoir Bernard, je peux lire 2-3 textes? Bah vite fait, ouais. Première tenue du nouvel été. Je suis le dieu mortel qui respire les roses qui appartiennent aux autres. Chemisette turquoise et ombre projetée, je glisse sous les fleurs. Flânant sur le trottoir, j'en prélève l'esprit. Sous le ciel bleu total, d'air chaud, de vent léger, l'espace d'un été et d'encore un été. Sens. Les roses sentent encore dans l'air diesel des bords de rue, pour peu que l'on s'y penche. Le ciel est toujours bleu, au-dessus des maisons, nuages bas, dont l'ombre passe comme une éclipse, sur les blocs de granit, et balaye l'herbe jaune par le soleil. Libres étendues de cueillettes, tout proche de ma mère. Renaître, ciel bleu de jour sous une demi-lune. Les goélands planent, ailes ouvertes aux pointes d'encre. Les hirondelles minuscules tournent. Ça va être bon pour ce soir. Eh ben non, mon prochain texte, ouais, ça fallait scotcher. Ouais, ouais.
Tiens, poète, tes papiers. C'est pas une décharge publique ici. Vous croyez qu'à passer de saloperie comme ça tout le long du canal, il n'y a encore plus que vous foutiez le feu maintenant. Qu'est-ce que c'est encore ce bordel? Je crois que c'est une mobilette qui a fait un plongeon dans le canal. Mais qu'est-ce que vous foutez là, au lieu de d'éviter des banalités? Allez, à son secours! Mais pourquoi vous y allez pas vous-même? Mais parce que je sais pas nager, t'es cette blague. Enfin, vous n'êtes pas seul au monde. Hein? Il y a bien des gens qui comptent sur vous. Et une femme qui vous attend. La mienne est partie avec sa chef de service. Aïe. Ça arrive. Hein? Et toi? Pas mieux. Je vais vous donner un petit truc de ma composition, vous allez voir. Ça va vous réchauffer. Vous allez me goûter ça. Et après, vous verrez que ça va aller mieux. C'est une sorte d'anisette? C'est l'ancêtre de toutes les boissons anisées.
Il paraît que le pastis vient des Romains. C'est vrai que les Romains faisaient un vin à base d'anis. Ça n'a qu'une très lointaine parenté, franchement, avec ce que vous allez déguster là. Votre science en pastaga est impressionnante. Quel pastaga? Oh, ne soyez pas vulgaire, s'il vous plaît. Vous allez voir. Je crois que je l'ai ici. Voilà, c'est celui-là. Où est-ce que c'est ça? Voilà. Lisez. Ici. Et ça, c'est pas un texte apocryphe. C'est la véritable recette servie au XVIIe siècle. Lisez. Il serait peut-être plus raisonnable de rajouter un peu d'eau. Avalez vos verres et après une deuxième tournée, vous serez notre homme. Il faut bien admettre qu'on ne sait plus très bien ce qu'on nous donne à boire de nos jours. C'est sûr que si on faisait des analyses, on aurait des surprises. Ouais, ouais. Même certains vins, hein, c'est un vrai scandale. C'est la raison du progrès. Oh, le progrès, l'abandon, le progrès. Hein, si la science était vraiment au service de l'homme, vous imaginez un peu le gain pour l'humanité? La science, elle navigue à vue. Alors, il n'y a plus de projet politique. Et il n'y a même plus de sens collectif. Ouais, alors cap au soleil, foutez-vous-en jusque-là. Et puis après, on nous dira, c'est humain. Ouais, comme si l'humanité se résumait à une somme de bas instincts. C'est simple, moi, chaque fois que j'entends dire c'est humain, je me dis qu'il n'y a vraiment pas de quoi être fier d'être un homme, alors. Ouais, mais c'est quand même pas une raison pour se foutre sous le drain. Ouais, c'est facile à dire, mais vivre avec cette impression perpétuelle qu'on doit se battre contre tout le monde, c'est usant à la longue. C'est sûr, c'est exténuant. Et pas très réjouissant. Notre modèle, le seul en vigueur aujourd'hui sur la planète, ben c'est de produire des individus à l'identité vide dans un monde hallucinatoire. Et leur histoire est écrite dans les discours marketing, et tout le monde est content. Et on pourrait en corriger quelques pages. Hein. Autant hurler dans le désert, même la culture est un produit de consommation. Si un artiste n'est pas porté par de grands médias, et si son œuvre ne se traduit pas en espèces sonnantes, il n'intéresse personne. Il a droit au mépris, c'est tout. À part de faire un buzz, comme on dit aujourd'hui. Ben oui, il a raison. Un buzz. Putain ! Au lieu d'essayer de vous faire péter les caissons, bande de couillons, faites un buzz. Et comme ça, vous pourrez vous faire entendre. Putain ! Eh oui ! Ça serait géant ! Et dire que l'humanité dort sans se douter de rien. Et tu te rends compte? Et vous pourriez peut-être changer le cours de l'histoire. Et sauver la planète de cette logique de destruction. Mais c'est extraordinaire. Et ces folies annulent notre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. Molière, le misanthrope. Il y a toujours un peu de raison dans la folie. Nietzsche. Et qui vit sa folie n'est pas si sage qu'il le croit. Marivaux. Vous n'avez tout de même pas l'idée de faire une révolution. Mmh. Il y en a qui ont essayé. Oui, ils ont eu des problèmes, je sais, je la connais cette histoire. Oh, tout de suite les grands mots. Ce qui importe, c'est de s'en donner à cœur joie. Voilà, ben oui, il faut déconner. Mais il faut déconner sérieusement. Allez les gars. Un petit coup. Voilà. Et on va trinquer. On va trinquer à la survie de la planète bleue. À la survie de la planète bleue. Et du vin naturel. Les gars, il faut qu'on monte une association. Ben, ce serait normal. Et puis, il faudrait qu'on donne un nom à notre association. Les Don Quichotte hein, du Canal du Midi. Ça fait un peu surfait, non? Pourtant, ça paraît évident. Hein, un héros idéaliste et romantique. Ouais, tout le contraire n'est pas l'héros médiatique de cette époque sordide, là, qui érige des statues à des gloires de bazar et qui méprise et rejette les rêveurs superbes. Ouais, attends. Il faudrait trouver des pseudos. Ben ouais, il a raison. Il faut trouver des pseudos. On n'a qu'à prendre des noms comme dans la résistance. Hein. Rex, Foxy, Brutus.
Ça fait un peu une donne de clébard, non? Ouais, c'est vrai. Ben, on n'a qu'à garder alors nos véritables identités, nos véritables noms. Comme ça, tout le monde pensera que c'est des pseudos. C'est pas comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire comme buzz? Ouh, écoutez, je propose qu'on y réfléchisse chacun de notre côté. Et alors, notre prochaine rencontre, on fera un brainstorming. Et attends, il faudrait trouver des trucs marquants, mais assez écolo. Ouais, écolo, oui. Et il a raison. Moi, je suis un parfait accord avec la nature. Moi, par exemple, l'eau que je bois ici, hein, eh ben, c'est de l'eau du canal. Oh putain, tu bois l'eau du canal? Ben ouais. Et quand elle est parfaitement filtrée, elle est très, très, très bonne. Et elle est bien meilleure que cette eau que vous achetez dans des bouteilles en plastique. Tu crois qu'il a fait des glaçons avec cette eau? J'en ai bien peur. Mais on craint pas grand chose. Avec la mixture qu'il nous a fait boire, ça pourrait même agir comme une sorte de vaccin. Oh, tu crois que plus on en boit, moins c'est risqué? C'est possible. Ouais, bah, écoute-moi, la prochaine fois, je prendrai mes glaçons. Des indicateurs de confiance des ménages. D'après l'enquête d'Ipsos intitulée France 2014, les nouvelles fractures, réalisée avec le Centre d'études politiques de Sciences Po et la Fondation Jean Jaurès, parmi les qualificatifs choisis par les Français pour exprimer leur état d'esprit, la méfiance, la morosité et la lassitude arrivent massivement en tête. Encore plus grave et symptomatique, 73% des Français considèrent qu'on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres et un Français sur deux juge que le déclin de la France est inéluctable en matière économique et dans le domaine culturel. Bon, mais le temps va laisser faire. Ah, ben voilà, ça fait plaisir. Alors, ça va mieux le moral? Hier, je me suis surpris à trouver du goût à mes nouilles. Et si on se buvait une petite anisette, manière de fêter nos retrouvailles? Pour moi, si t'as ça sur ton bateau, une petite bière ferait l'affaire. Eh bien, il n'y a qu'à demander. Parce que justement, j'ai un de mes amis de Cévennes qui concocte une petite bibine, une bière extraordinaire. Et entièrement artisanale et naturelle, comme d'habitude. Faites-moi confiance, je reviens. Survécu au pastis. Et voilà. J'ai bien réfléchi à notre affaire. Les gens doivent prendre conscience des conséquences des dérives idéologiques qu'on nous impose depuis des années. Ce qu'il faudrait, c'est axer nos actions sur la com. Il faut profiter d'événements importants réunissant beaucoup de monde. Qu'est-ce qui rassemble en un espace restreint un maximum de gens? Je suis impatient de le découvrir. Un terrain de rugby. Mais ce que tu voudrais, toi, c'est déployer une grande banderole dans les tribunes. Non, pas assez démonstratif. On va traverser le terrain tout nu, avec des messages peints sur nos corps. On va se manger une bonne raclée. Mais non! Mais si, c'est gagné d'avance. On va parler de nous, mais à la rubrique fait divers, aux admissions aux urgences de l'hôpital. Et puis,
Je crains que dans nos dégradés, on ne voit pas très bien la banderole. C'est un peu ce que je craignais aussi. Alors, j'ai peut-être autre chose plus radicale. Le sous-préfet, c'est bien le représentant de l'État dans les départements. Et ? On fait comme en Corse, on s'en paye. Ouais, moi aussi, c'est bien ce que je craignais. Bon, allez, je crois que je vais vous laisser. Attends. On va d'abord faire cuire la saucisse, et après, on discutera. Hein ? Oui, mais si vous rejetez toutes mes idées systématiquement... Disons qu'on peut prendre certaines de tes idées et les associer avec d'autres. Un peu plus consensuel. Façon synthèse. Quoi. Ton préfet, on peut s'en occuper autrement. C'est-à-dire ? Eh bien... Voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais... J'ai un brevet de pilote. L'ULM, hein. On pourrait survoler la ville et en passant au-dessus de la sous-préfecture, larguer un cocktail de notre composition. Une bombe ? Mieux que ça. Du sulfure d'ammonium. Qu'est-ce que vous en pensez ? Autrement dit, des boules puantes. Ah. Yeah. Tu vas arriver à viser une fenêtre tout en pilotant ? Ben, ça serait trop risqué, bien sûr que non. J'aurais un passager à bord. Qui ça ? Ben, lui, toi, il faut que tu sois au sol pour filmer la scène. Ben, moi aussi, je peux filmer. Écoute, je suis allé sur ton blog... Les photos et les vidéos que tu as postées sont fraîchement floues. Hein. C'est des effets artistiques, hein. Vous n'y connaissez rien. Écoute, on n'est pas là pour faire des effets de style, hein, tu m'as compris. Hein. Hein. On ne peut pas se permettre de rater notre coup. Hein. Là, il n'y aura pas de prise. Est-ce que vous le comprenez, ça ? Alors, moi, je ne le sens pas, hein, ce coup-là. Et puis c'est pour la cause. Ah, t'as qu'à y aller toi pour la cause. Il te l'a dit, si on filme pas, ça sert à rien ce qu'on va faire. Moi je veux d'abord voir ton brevet de pilote. C'est moi, Johan, mon capitaine. C'est rustique comme engin. Ben oui, tu vois, c'est un peu comme un karting, amélioré. Alors, tu n'auras plus que t'asseoir sur le siège passager, tu mets ta ceinture et tu n'as plus qu'à ouvrir bien grand tes yeux pour voir le paysage. Ouais. C'est pas plus compliqué. Le paysage, j'aimerais bien ne pas le voir de trop près. Hein. J'ai préparé le matériel. Ah bon. Alors, faudra faire gaffe avec les boules puantes. Je les ai testées avec une classe d'emmerdeurs au lycée, je vous jure que c'est efficace. T'as quand même pas ouvert. Hein. Hein. C'est quoi cette boîte là ? Je l'ai gavé de poils à gratter. J'ai pas pu résister. Gamin ! Alors voilà les tracts, comme on avait dit. La grisaille n'est pas une fatalité. Bon. Tu les jetteras bien au-dessus de la ville. Hein ? Ouais, d'accord. T'inquiète pas. Bon les gars, c'est pas tout, mais... Allez, faut y aller. Attention pour le décollage. On décolle. Ah, et voilà. Dans le ciel, une douce toison au saumon
qui moutonne, imprégnant l'étang bleu ardoise de scintillement mauve, les tuiles des toits où se posent les pigeons, les tourterelles. Prépare les tracts. À bon signal, tu balances. Hein. Oui. Allez, go. C'est bon? Ah, j'y vois, on voit pas assez là. Allez, maintenant, on rentre au bercail. T'as l'air crispé, il y a un problème, hein? Problème, c'est pas vraiment le mot que j'emploierais. Enfin, vous allez voir. Oh, c'est nous. Je sais pas si c'est une bonne idée de diffuser ce film sur Internet. Mais mets-nous les chaînes locales qu'on voit un peu les infos. J'apprends qu'un attentat raciste a eu lieu dans notre bonne ville, dans un bar fréquenté habituellement par des clients turcs. Auparavant, les malfaiteurs avaient diffusé un tract annonçant, je cite, « La grisaille n'est pas une fatalité ». Je me suis immédiatement rendu sur les lieux. Cette action et ses propos sur les gens de couleur sont scandaleux et inacceptables. Cela nous ramène à un temps peu glorieux de l'histoire de notre pays. Merci. Ouf, heureusement qu'on n'a pas signé les tracts. On aurait l'air con quand même. Ouais. Je vous l'avais dit que cette métaphore de grisaille, dans le prospectus, c'était pas clair. Bravo, c'est une belle réussite. Tout ça, c'est rien. Ah, c'est un signe de reconnaissance, quand même. Du vent. Mon cœur saigne et personne ne le voit. Et tout ce monde autour de toi? Beaucoup de monde ou personne, c'est pareil. Mon lit est désespérément vide. Je ne le vois que pour dormir. Encore. Et ta compagne? On n'a pas réussi à s'entendre. Il y avait entre nous comme un malentendu. Notre amour était impossible. Je suis lesbien. Je ne l'ai compris que récemment. Tu veux dire, elle est lesbienne? Non, moi, je suis lesbien. Je comprends pas, tu veux dire que tu es trans? Non, je suis lesbienne, j'aime faire l'amour avec les femmes qui aiment les femmes. Ouais, ça doit pas être évident pour trouver l'âme sœur. C'est joli. Qu'est-ce que vous dites? Ben, c'est joli. Si vous voulez voir du joli, allez à l'exposition de papier peint
Abricot marché. Il y a quand même beaucoup de noir. Le noir est une couleur symbole de l'absence d'amour, madame. Ah oui, c'est discutable. Hein. Vous savez, en amour, je sais de quoi je parle. Moi, j'ai parlé d'amour, pas de sexe, madame. Qu'est-ce que tu fous, Poulide? Tu vires tes clients? Tu es venu ici pour me démolir? Honnêtement, tes lithos sont plutôt pas mal, mais bon, je t'ai connu dans des époques plus réjouissantes. Tes arbres abstraitisés façon zen, t'as plus qu'à te raser la boule et chanter les mantras. Quoi? Mais c'est de mon quel âge? Avec lui, je communie pour m'imprégner de la force fondamentale qui coule en toute chose vivante et inerte dans l'univers. C'est l'essence même de la réalité ineffable et indescriptible que je tente d'atteindre. J'ai besoin de la puissance initiatique pour m'immaner, pour me transcender, dépasser l'unité au-delà même du dualisme anthropique de la pensée chinoise harmonique. C'est quoi ce charabia ? Tu vas finir par exposer à Nature et Découverte. Mon travail est si mauvais. C'est pas ton travail, Poulide. C'est toute la création qui est en crise. Ceci dit, c'est quand même un bon business, là. On va faire un tour à la FIAC. Par la culture, les humains doivent s'élever au-dessus de leurs conditions animales. Ce qui implique de faire le sacrifice de ses pulsions. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est prévu. Je dois aller à Lourdes, au printemps. Il faudra au moins ça pour sauver l'humanité. Mais à mon avis, une petite pénurie de Viagra serait plus efficace. Ça se discute quand même, ces trucs de pulsion. Il faut bien un acte d'amour pour faire société, pour unir les membres d'un groupe. Oui, mais un acte d'amour désexualisé, c'est même le sens des premières institutions. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tout ce refoulement, c'est névrotique. À force de vouloir satisfaire tes pulsions, tu vas revenir à un état inorganique. Mais c'est quoi, un état inorganique? Ta quête obsessionnelle de plaisir, c'est pour diminuer une tension. Ça doute même la réduire à néant. C'est ce que Freud appelle une pulsion de mort. Tu déconnes? Il t'a dit de mort. Tu as entendu ce qui va t'arriver si tu continues? Depuis quelque temps, j'ai un peu mal au foie. Tu crois que c'est ça? Ça, c'est le thé. Le culte de la jouissance. On nous dit en permanence qu'il n'y a que le principe de plaisir qui compte. Tout le monde est ravi. On finit par croire que nos vies sont une publicité perpétuelle. Regardez les photos des pages Facebook des gamins. On croirait des vies de stars. J'arrête pas de le répéter. Sans projet collectif, le monde moderne est vide et insignifiant. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est de s'accaparer une part de gâteau au détriment des autres. Alors, comment vous voulez qu'on s'aime? C'est ça. Chacun pour soi et tous contre tous. Beau concept de soumission. Avec ça, on n'a pas fini de compter les larbins. Larbin. Voilà le concept pour lutter contre la civilisation des larbins. Ah!
il y a quelqu'un? C'est pas un téléphone, tu sais. Poulite, tu m'entends? Oyez, oyez, habitants de Narbonne, approchez, approchez. Venez prendre part à la révélation artistique. Nous allons donner du sens à votre existence. Il va y avoir une distribution de cadeaux pour faire le tour de France? Ah non, 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 c'est pas du tout ça, madame. Ah, dommage. On y va? Le grand bazar de la politique. Faites partie de l'équipe de la caméra cachée? Oh, dommage. Ces soi-disant experts qui mentent comme des arracheurs de dames, ne vous résignez plus. Explique-leur le concept. Vous ne pouvez plus rester d'éternel larbin. Je suis pas sûr qu'ils aient bien compris. Hein. Ils sont pas aussi cons que ce qu'ils en ont l'air quand même. Et toi, patate? Avec l'arbel, plus de l'arbel. Enfin, me vous trompez, oui, messieurs. Vous êtes contents de vous. Vous ne vous doutez de rien. Mais vous êtes cocu. Et ta sœur, alors? Je me demande si cette tirade est bien utile. Il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Le reste, c'est de l'abstraction. Hein. Allô, allô, allô. Vous avez peur de crever? Mais rassurez-vous. Vous ne mourrez plus. Vous êtes déjà mort. Vos enfants vous détestent. Bonjour, monsieur. Je vais demander l'autorisation pour votre barnum. C'est qu'un amusement. Vous n'allez pas prendre ça au sérieux, quand même. D'après l'article 222-322 du Code pénal, monsieur, un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Allez, monsieur. Quel droit peut se prétendre supérieur à celui de la nature? Votre geste est une insulte, une offense à la vie, un blasphème dont vous vous repentirez avant peu. Mère nature qui fait tout pour le mieux m'a ainsi merveilleusement conçu et je devrais cacher ses splendeurs à la face du monde. Libérez ou Narbonnais, je vous prends à témoin et je proclame solennellement ces lieux. Au nom de la sainte vie, de la création céleste, seule la nudité sauvera l'humanité. Mes frères, mes frères, déshabillez-vous, foutez-vous à poil, faites exploser vos merveilles à la lumière du jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Arrestation d'un pervers sur la place de l'hôtel de ville. J'aurais pu trouver un titre plus explicite. N'empêche qu'on parle de l'opération. Eh oui. Ouais, enfin, au niveau des revendications, c'est succès. Hein. Enfin, dès l'introduction, l'essentiel est dit. Quatre individus connus du microcosme artistique narbonnais semblent avoir été inspirés par la Commedia dell'arte. Entre burlesque et pornographie, ils ont élaboré une mise en scène sur le thème « L'art au bain, contrôler l'arbain ». Plusieurs interprétations circulent d'ores et déjà sur le sens de ce message. Une plainte serait même sur le point d'être déposée par Maître Calvut, avocat de l'ordre des personnels des cafés et restaurants de la région Languedoc-Roussillon. La justice appréciera les motifs et la bienséance d'une telle entreprise, quoi qu'il en soit, prétexte à exhibition d'un moment. C'est flou. C'est justement ce flou qui nous sert. Il oblige les gens à se poser des questions. Vous rendez compte? Si les gens se mettent à penser, la partie est gagnée. Il a raison. Le buzz a déclenché quelque chose. Quelque part, on peut parler de succès. On sort de l'ombre. C'est un grand jour. Pour Poulide, c'est plutôt le passage de la lumière à l'ombre, parce que lui, il risque un an de prison. Il restera dans l'histoire comme la première victime du grand chambardement qui se prépare. C'est un grand honneur. Et puis, on ne fait pas d'omelette sans casser les yeux. Ouais, si je comprends bien, Poulide, c'est l'œuf de l'omelette. En tous les cas, on voit bien le rôle que l'art peut jouer dans la conscientisation des classes populaires. Ben, c'est sûr. Et on va trouver d'autres actions dans le même style. Mais en attendant, j'ai peut-être un plan qui pourrait faire mouche. On va s'attaquer, les gars, au cœur du système. Les États-Unis? Mieux que ça, l'économie. Ah, c'est fort. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est l'économie qui régente le monde. J'en étais sûr. Il n'y a plus de place pour une véritable réflexion politique.
pour débattre des choix de société, enfin bon. Tout est figé et soumis à la dictature des marchés. On va exploser les marchés. Ouais, fait jusque-là, je suis d'accord sur l'analyse, mais vous comptez vous y prendre comment pour détrôner l'économie mondiale? Mais à la sabordagne, hein. Tout simplement. Tout simplement. Vous pouvez préciser? Mais on va saborder le marché, hein. En commençant par le marché primordial à Languedoc. Hein? Celui qui entraîne tous les autres. Le pinard! On va faire péter les citernes pour créer la pénurie. Non. C'est même le contraire, tu vois. Parce que ce qu'il y a de pire pour un marché, c'est pas la pénurie. C'est l'abondance. Ah bon? Ben oui, c'est la rareté qui fait la valeur. Quand un produit prolifère, ben il vaut plus rien. On va fabriquer du faux pinard pour noyer le marché? On aurait peut-être pu, mais encore, tu vois, là tu fais une erreur. Si ce que produisent les hommes avait encore un intérêt pour les marchés, ben on ne laisserait pas tous ces jeunes bras au chômage. La seule vraie richesse aujourd'hui, c'est ce qui est sujet à spéculation. Et ici, c'est l'immobilier. Alors les gars, écoute-moi, on va engorger le marché de l'immobilier. Et alors, comment ? Vous êtes sûr des prix? Ah mais bien sûr, monsieur. Suivant l'emplacement que vous allez choisir, vous allez payer entre 25 et 40 euros le mètre carré. Mais c'est possible? Mais bien sûr. Et vous savez, c'est une opération exceptionnelle que l'installe en mairie. Vous voyez ces milliers d'hectares constructibles là? Eh bien, malgré la surface, on ne pourra pas faire face à la demande. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Vous dites que les terrains seront viabilisés? Ah mais ça c'est notre mission, madame. À partir des souhaits d'urbanisation de la commune, nous élaborons un projet d'aménagement du territoire, et des parcelles, bien entendu. Et nous prenons en compte même les réseaux secs et humides, eau, électricité, téléphone, assainissement, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et bien entendu, tout ce qui est voie d'accès de communication pour les parcelles et l'éclairage public. Avec quelle garantie? Mais la meilleure qui soit, monsieur. Écoutez, vous ne verserez le premier centime qu'à partir du moment où les parcelles seront viabilisées. Mmh. Alors eh. Voilà. Est-ce que vous savez que l'indemnité d'un maire est en fonction du nombre d'habitants et de l'importance de la ville? Tiens donc. Disons que notre maire a des besoins intimes. Et le chiffre de 100 000 habitants l'arrangerait bien. Vous me suivez? Parfaitement. Enfin, les hommes peuvent avoir leur faiblesse, n'est-ce pas? Ben oui. Alors là, c'est bon, je pense que ça va marcher. Oh, il y a du monde, allez, vas-y, vas-y. Ouais. Oh messieurs, dites-moi, oui. Vous faites quoi ici?
C'est le progrès qui vient frapper à votre porte, messieurs. Quel progrès? Vous n'allez pas encore nous flanquer un parc d'éoliennes ou un champ de panneaux solaires tout de même? Ah non, rassurez-vous. Et vous nous mettez quoi alors? Un camp de nudistes. De quoi? Et c'est ça le progrès? De toute façon, on n'a pas le droit. Ce lieu est classé. Vous le voyez par la tour là-haut? Ah ça, c'est réglé. Je l'ai lu dans le dossier. Ce seront des pissotières. Des pissotières? Ça ne va pas se passer comme ça. Vous voulez la guerre? Vous allez la voir. Messieurs, nous on n'y est pour rien, on fait notre métier, c'est le maire de Narbonne qui a pris la décision. Et lui va n'entendre pas de son projet. Vous pouvez le lui dire. Allez, viens. Ils annoncent la baisse des prix de l'immobilier dans le journal. C'est gagné, les gars. Ah bon? Ouais, mais une hirondelle fait pas le printemps. Pour être sûr, faudrait avoir un retour du terrain, quoi. Il n'y a qu'à le demander aux principaux intéressés. Les agences immobilières. Bah oui. Les gens. Excellent, ça. Donne-moi ça pour voir. Voyons. Bon, on va en prendre un au hasard, hein. Sandales Maratuil, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle parce que ma femme et moi, nous cherchons un terrain dans la région. Là. Nous aimerions construire. Est-ce que vous aurez quelque chose d'intéressant à nous proposer? Bien sûr, monsieur, nous sommes à votre service. Vous avez des idées précises de ce que vous recherchez? Oh, ben, disons un terrain de 600 à 800 mètres carrés. Avec. Pas trop éloigné de la capitale, quand même, enfin de la ville, hein, à 10 km maximum, mais si possible dans un quartier calme. Vous avez de la chance, je viens juste de rentrer quelques affaires qui pourraient vous convenir. Il faudrait prendre rendez-vous et venir voir sur place exactement pour vous faire une idée. Oui, je comprends, mais voyez-vous. Avant de lancer cette affaire, j'aimerais quand même avoir une idée du prix au mètre carré. Est-ce que vous pouvez me donner une petite idée de prix? Bon, c'est peut-être un peu tôt pour commencer à parler d'argent. Le mieux, ce serait que vous veniez voir sur place les produits que j'ai à vous proposer. Oui, mais écoutez, c'est-à-dire que j'ai très peu de temps devant moi et... Avant de me lancer là-dedans, je vous dis, j'aimerais quand même avoir un ordre d'idée, quoi. Le prix au mètre carré. Écoutez, nous n'avons pas de secret pour nos clients. Pour ce que vous recherchez, les prix sont en baisse. Je ne pense pas que ça dure, il faut peut-être en profiter. Disons qu'à la louche, entre 90 et 120 euros du mètre carré, on sera dans les clous, dans le prix du marché. Comment 90 à 120 euros? Non mais c'est une plaisanterie. Et c'est ce que vous appelez les prix du marché, vous? Ah mais oui, je vous assure que ce sont les prix. Mes collègues ne vous proposeront pas mieux. Mais faites-vous plaisanter. Il n'y a pas plus d'un quart d'heure, on m'a proposé un prix à 35 euros le mètre carré. 35 euros? Je crois qu'on s'est un peu moqué de vous, monsieur. D'ailleurs, je serais bien curieux de savoir quel est le plaisantin qui a pu vous faire croire une chose pareille. Mais enfin, monsieur, tout simplement l'agence de la mairie. L'agence de la mairie? Vous n'êtes pas sans savoir quand même que la mairie a un projet d'extension des terrains constructibles pour accueillir des dizaines de milliers d'habitants. Je suis sûr que vous le saviez. Hein? Mais vous essayez de m'étrangler tout simplement. Hein? Vous êtes un voleur, monsieur. Vous êtes un escroc, monsieur. Bonsoir, monsieur. Cette fois-ci, je suis sûr que ça va le faire. Anne-Laure, j'ai compris pourquoi on n'a plus beaucoup de clients ces temps-ci. Sortez-moi la liste de tous les téléphones de nos concurrents, je vais les avertir. Si on ne réagit pas rapidement, on met la clé sous la porte. Monsieur le maire, après le mouvement d'humeur des agents immobiliers devant les locaux de l'hôtel de ville, en début de semaine, une manifestation de protestation des chasseurs a dégénéré dans les rues de la ville. Alors comment vous expliquez cette exaspération ? Toute cette affaire n'est qu'une machination montée de toutes pièces par mes adversaires politiques et je vous laisse juge de la bassesse des moyens utilisés. Tout d'abord, je tiens à déclarer que je n'ai rien contre les nudistes. Il y en a parmi mes amis. Toutefois, je tiens à réaffirmer, il n'a jamais été question de créer une zone de chasse naturiste dans les Corbières. Je m'engage à recevoir dans les plus brefs délais les représentants de chaque tendance pour tenter une conciliation. En attendant, je demande à chacun de garder son sang-froid et de ne pas céder aux provocations d'où qu'elles viennent.
Méfiez-vous des manipulateurs. Qui me fait le poète là-haut? Attends. Tiens, prends ça, ça ira mieux. On travaille à l'économie. Hein. Ah ouais, là c'est impeccable ça. Hein. Ah, c'est beaucoup plus fin, ouais. T'as raison. Hier en 20h, vous avez vu cette femme hein qui avait enfermé son petit dans le congélateur. Quelle époque quand même. Heureusement qu'on n'est pas comme ça, nous. Encore que pour certains de mes élèves. Il y a peut-être quelque chose à exploiter là-dedans. Ah ouais, mais moi personnellement, hein, je n'ai pas de congélateur. Hein. J'ai un ami là, c'est un syndicaliste, un type comme ça, qui on peut faire entièrement confiance. Il travaillait dans une entreprise sous-traitante chez Orange. Je suis sûr que par une simple manipulation, on peut modifier la réception des programmes. Ouais. Et comme ça, ben, on n'aurait plus qu'à glisser une vidéo dans notre cru. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, ça me paraît une bonne idée, si on arrive à le faire. Bien sûr qu'on peut le faire. Toi, trouve une caméra vidéo. Ouais. Et toi, prépare un texte, c'est toi qui le diras. Hein ouais. On le fait incognito, bien entendu. Hein. Ah oui, évidemment. Tu te déguises. Oui. À la Corse. Il faudrait surtout pas qu'on te reconnaisse. Ouais. Non, bah, tu peux me faire confiance. Ouais. Ouais. Bon, tu es prêt? Non, c'est bon. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fout? Oh, tu es prêt? Eh ouais, attends, j'arrive. Ah. Eh ben. Ah, franchement, la panoplie. Quoi? J'en étais sûr que tu me trouverais à redire. Les bottes à éperon, le pistolet à la ceinture, c'était vraiment nécessaire? Puis de toute façon, on va voir que ton buste. Ouais, mais pour entrer dans la psychologie du personnage, faut rien négliger. J'ai prévu un texte court, mais efficace. C'est une règle essentielle dans la communication. Si tu le dis. Et si on commençait par une musique qui solenniserait l'estin? Style? Bon, je sais pas, moi, comme la Marseillaise avant l'intervention du président de la République. Hein. La Marseillaise? Oh, peut-être pas la Marseillaise. Et pourquoi pas l'international aussi, hein? Avec une guimbarde. Ah, j'ai un petit neveu qui en a une, justement. C'est bon, le petit neveu. Allez, t'es prêt? Quand tu veux. Mes frères! Ah non, tu nous sers la messe, là, ou quoi? C'est une expression d'amour, de réconciliation fraternelle. On avait dit qu'il fallait redonner aux hommes le sens du collectif. Laisse tomber, on coupera au montage. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est bon, tu l'as ton texte? Allez, vas-y. Mes frères, nous ne pourrons plus continuer la route ainsi bien longtemps. L'obscurantisme a étendu son emprise sur nos vies. Il est grand temps de trouver la cause de notre décrépitude. Un homme avait un fils... Ah non, tu nous fais le catoche, là. T'emballe pas. Ouais, mais on va rien pouvoir garder de tout ça. C'est vrai que... Avec l'obscurantisme, tu vas quand même un peu fort. Hein. À chaque fois que j'ai une idée un peu nouvelle, vous êtes contre. Non, on dirait une homélie. Pour la morale, avec la télé, on a déjà ce qu'il faut. Allez, tout de suite à l'exagération. C'est sûr que si on le présente à la chaîne Cartier, on va faire un tabac. Hein. Vous êtes un peu dur, les gars. Hein. Bon, écoutez, je vais le faire plus sombre. À l'improvisation, je suis bon. Vous allez voir.
Ouais, on va voir. Camarades, toutes les richesses de ce monde ne pourraient pas exister sans vous et sans moi, sans notre travail, sans notre engagement et notre adhésion. Rien ne pourrait se faire. Alors que nous sommes les maîtres du jeu, nous sommes tous les jours un peu plus enchaînés, méprisés, humiliés. Pour nous enrôler dans cette partie de dupes, on nous fait miroiter de mirifiques avantages en stimulant nos désirs d'illusoires promesses marchandes. Dans cette course absurde à l'argent, nous perdons jour après jour un peu plus de notre humanité, poussés les uns contre les autres en ces luttes que l'on dit concurrentielles. Sous prétexte de crise, on voudrait maintenant nous faire renoncer à tous ces petits avantages que nous avons acquis en compensation de notre assujettissement. La stabilité de l'emploi, la gratuité des soins, les retraites, l'emploi pour tous. Les médias nous montrent chaque jour des pays où les producteurs coûtent moins cher. Et sous prétexte d'implosion, on voudrait que nous nous alignions sur eux. Réfléchissez, qu'avons-nous comme intérêt à laisser perdurer un tel système ? Merci. Bon, c'est beau. Là, c'était beau, tu vois. Ah. Et Dion, j'ai oublié de parler d'un truc essentiel, la misère sexuelle. Quand la mayonnaise a pris, on ne la touche plus. Oui, Philippe, oui. Ça y est, c'est prêt? Et allumez la télé, les gars. Ah, je sais pas. Ah, mais tu peux le faire. Hein. Ils demandent si sur France 2, TF1, France 2 ou France 3. Va pour France 3. France 3, en fait, si tu peux, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, maintenant, hein. Allez, merci, Philippe. Je te revaudrai ça. Merci. Oh les gars, c'est dans la poche. Oh, Capriolus les gars. Alors là, je vais vous dire un truc, on va cartonner. Et en plus, vous allez avoir une surprise. C'est quoi la surprise ? Quoi ? Oh, bon, écoutez... tant pis pour la surprise. Ça m'avait gêné un peu de ne pas avoir de musique là au début. Alors, j'ai rajouté de petites musiques parce que ça me paraissait terne. Ouais, bon. Mais c'est ma voisine, hein. Je savais pas qu'elle faisait du cinéma. Non, mais T'es sûr que tu as vraiment donné le fichier à Philippe, t'as donné notre vidéo ? Oh merde ! Putain, c'est comme ça.
Dans le fond, c'est pas plus mal. Ah, tu trouves? Ouais. Parce que notre discours, il était passé convaincant. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Je suis convaincu que personne ne nous aurait écouté. En tout cas, pas plus que tous les discours des partis de l'ultra-gauche. La prestation, elle était bidon. Non, disons qu'elle n'était pas assez explicite. Écoutez les gars, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir s'immiscer dans une véritable émission de télé en direct. Quoi. Hein ? Comme ça, on pourrait mettre à jour toute leur mécanique, là, leur combine. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. J'ai peut-être un truc pour me rattraper. Je crains le pire. Oh, j'osais pas vous le dire. Vous savez que je me prépare à faire une carrière au cinéma. Alors je me suis dit, la télévision, ça serait pas mal. J'ai écrit un mail à l'émission Pas vu, pas pris, qui passe la semaine prochaine à Béziers. Et ça a marché. Ma candidature est retenue. T'as honte de rien, toi. Oh. Et ça va nous avancer à quoi, ton truc ? J'ai ma petite idée. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans notre émission Pas vu, pas pris. Dernière répétition à Narbonne avant le tournage de Coup de soleil. Un film languedocien, humoristique, inspiré des personnes. L'émission qui ose dire tout haut ce que nous faisons tout bas. Et pour commencer, je vais d'abord vous rappeler les règles de cette émission. 5 candidats, masqués, vont vous dévoiler, c'est le cas de le dire, une action pas très convenable qu'ils ont réalisée un jour, et ce sera à vous de voter. Non pas pour juger, mais pour gratifier, au contraire, l'action qui vous aura paru la plus audacieuse. Pour cela, n'oubliez pas que vous devez téléphoner au 0899 88 77 et voter pour le candidat de votre choix. Votre gagnant recevra la modique somme de 50 000 euros. 50 000 euros. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'est le maire d'une petite commune qui a gagné cette somme en distribuant en espèces, vous voyez ce que je veux dire, les emplois de sa commune. Bon, c'est lui qui a gagné les 50 000 euros. Alors qui sera cette semaine notre gagnant? Je vais vous présenter tout de suite les différents candidats. Et d'abord, Madame A. Comment ça va, Madame A? Impeccable. Alors, dites-nous en quelques mots votre exploit pas vu, pas pris. Vous aurez l'occasion de développer un peu plus loin dans l'émission. J'ai une petite affaire de restauration. J'ai trouvé une combine imparable pour frauder le fisc. Ah, je suis impatient de connaître votre truc, Madame A, et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Mesdames, messieurs, il n'est pas interdit de prendre des notes. Moi aussi, j'ai une combine. C'est pour tricher au bac. Je peux vous demander votre profession? Pourquoi pas? Je suis professeur. Ah, vous êtes un homme précieux, Monsieur B. Justement, mon fils passe son bac cette année et on ne peut pas dire qu'il brille par les résultats. Madame C. J'ai fait des faux papiers pour faciliter l'obtention de prêts. Pour vous-même? Non, pour des clients. Je vends de l'électroménager. Madame C est l'amie du surendettement. Pas vraiment. Les gens ont envie de se faire plaisir. Alors je les aide. Plaisir. Le mot est lâché. Effectivement, c'est toujours intéressant de se faire plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Madame D. Je suis commerciale, j'arnaque des vieux. Des personnes âgées. Oui, pardon. Des personnes âgées. Je leur vends des trucs complètement aberrants à des prix incroyables. Et je suis sûr que votre société vous félicite pour ça. Oh, mais je suis leur meilleure vendeuse. D'ailleurs, j'ai des primes conséquentes. Et voilà, grâce à Madame D, comment une société en bonne santé peut donner du travail à d'honnêtes travailleurs. Tout à fait. Et enfin, Monsieur E, notre dernier candidat. Je suis comédien. Ah! Et votre exploit, Monsieur E? Bien, je passe dans des émissions à forte audience et je suis payé pour jouer le rôle d'un candidat. Je comprends pas ce que vous voulez dire. C'est simple. C'est pour faire croire à des millions d'imbéciles derrière leur télévision qu'il y a des types comme moi. Ah, non, je peux pas le croire, là. En tout cas, ce n'est pas le genre de notre émission. En fait, je dis ça parce que j'ai oublié le texte. Mais, qu'est-ce que c'est que ce type-là? Vous ne pouviez pas vérifier à la répétition? Mais à la répétition, je le savais! Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de texte,
voyons. Ah si, si je peux improviser, si quelqu'un veut me donner le début de l'histoire à raconter à ces andouilles. Mais arrêtez de traiter le public d'andouille, voyons. Mais c'est vous, juste avant l'émission. Je vous avez dit qu'il fallait que ça fasse un vrai pour ces andouilles. Mais j'ai jamais dit andouille. Ah non, crétin. Vous avez dit ces crétins qui gomment n'importe quoi devant leur poste. Je n'ai jamais dit crétin. Ben, on s'en fout que votre public soit une bande d'andouilles, une bande de crétins ou une bande de truffes. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, vos clients, ils ont peu, ça va pas être le futur prix Nobel. Vous avez vu la gueule qu'ils ont? Oui, d'accord. Bon, vous êtes des menteurs, vous racontez n'importe quoi. Là, il n'y a que des comédiens. C'est des truffes. Ils vous racontent n'importe quoi. Bientôt 10 ans. Convaincu d'avoir trouvé moraliste inquiétant, décrivant le monde idéal. J'ai oublié mon message. Pour y chanter le blues. Ce que tout le monde se plaît à appeler maintenant l'affaire, avec la mise à jour des manipulations dans les nouvelles émissions de télévision, a déclenché hier une bronca générale jusque dans les travers de l'Assemblée nationale. L'animateur a nié les propos entendus à l'écran, mais les candidats participant à l'émission étant masqués, il sera difficile de prouver leur statut réel. Le directeur de la chaîne de télévision viendra en personne s'expliquer à l'antenne demain soir au journal télévisé. Allô? Ouais, c'est moi. Ça bouge, il faudra enfoncer le clou. Écoute, j'ai une info capitale. Je peux pas te parler, là, les téléphones ont des oreilles. Rendez-vous demain à 10h. À Saint-Sébastien, ok? Allez, ciao. Nationale sera en visite à Narbonne mardi. Oh. Les ambillons ? Chut, pas de nom. À partir de maintenant, on dira l'habillé, d'accord ? Ouais, d'accord. Le ministre. Après une réception à l'hôtel de ville, il doit se rendre en visite à notre lycée. C'est comme ça que j'ai eu l'information. Ouais. Enfin, quand même, ça. Le ministre, ça va pas être facile. De préparer quelque chose parce que. Il sera sous votre protection. Il n'y a qu'à se déguiser et se mêler discrètement aux officiels. J'ai quelques idées de déguisement. Non, ça ne marchera pas, on va se faire choper. Et pourtant, il y aura beaucoup de journalistes.
faudrait peut-être trouver une idée de faire un buzz. Mais sans pour autant s'approcher de trop près de la bille. Il y a un truc qui marche bien avec les people. C'est l'entartage. C'est un art classique, mais ça a fait ses preuves. Ouais. J'aime bien moi cette idée d'entartage. Ouais. Par moment, quand même, je me demande si on n'a pas tort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si le monde dans lequel on vit il convient parfaitement à la nature humaine, aucun changement est possible. La nature humaine? Ah, parce que tu prends encore la nature humaine, toi. Hein? Et en plus qu'elle serait en phase avec un système aussi aberrant, que les hommes fermeraient les yeux sur toutes les conséquences qu'on connaît, là, au niveau économique, politique, sociologique, psychologique, écologique, tout ce que tu veux. Faudrait vraiment qu'il soit très con. Chut. Autant de con d'un coup, ça fout la trouille. Il faut bien qu'il y ait une explication scientifique. L'homme, ce mystère. Pour moi, c'est plutôt la femme, le mystère. Deuxième étage, ça ira? Le deuxième? Prenons plutôt le troisième, en cas d'intervention des forces de l'ordre. On aura un peu plus de temps pour foutre le camp, allez. Plus on sera haut et plus le choc sera brutal, hein, quand même. Oui, alors, j'ai que de la farine avec de la crème. Ouais, faudrait pas le tuer non plus. C'est connu, les ministres ont la tête dure. Bon, ouais. Allez-y. Attendez, je vais voir si la voie est libre et je reviens, d'accord? Monsieur, on a cours aujourd'hui? Et pourquoi on n'aurait pas cours? Bah apparemment, il y a un ministre qui vient. Ouais, mais justement, il vient pour voir comment vous travaillez bien. Il ne veut pas être déçu. À tout à l'heure. C'est bon, on peut y aller. Allez. Vous voyez, il va passer juste en dessous, là. Il ne s'agira pas de le rater, là. Bon, allez, je vais aller rejoindre mes élèves. Quand vous voulez partir, vous prenez la porte là. Là, vous pourrez filer discrètement. Allez, ne ratez pas, les mecs. Ah, t'inquiète pas. C'est pas mal, là. Ouais. Y a plus qu'à attendre. Planque-toi. Ouais.
c'est pas con. Impeccable. Prépare la bombe. Écrire un poème, figure-toi. Tu veux que je te lise le début ? Blandis réglisse de la belle du Sénégal aux fesses nues de sable pané. Bon, ben, la suite, après, je réfléchis. Je crois qu'il faut, un petit peu plus long, là, tu vois. On va faire un petit peu plus long et ça sera... Attends, je regarde. Ils arrivent. Prépare-toi. Écoute, à mon signal, j'ouvre la fenêtre et dès que je te fais le top, tu balances la bombe et vise bien. Tu es prêt? Ouais. Attention. 1, 2. Oh putain, les filles de canardes! C'est pas possible. C'est pas possible. Ils savent pas qu'on est là. On nous a vendus. Tiens, okay. Je vais jeter un coup d'œil. Mais compte pas, ils vont te buter, oh! Quand même pas, frère. C'est pas vrai. Mon pétard. Les officiels sont couchés au sol. Je crois qu'il y a une fusillade. C'est sans doute des terroristes. Mais qu'est-ce que tu fous? Je suis disparu dans le preuve. Tu crois que c'est le moment de s'empiffrer? Je crois que c'est les lycéens qui nous ont doublés, mon pauvre. Les lycéens? Eh oui, les lycéens. Il est bon au moins le gâteau? Un peu indigeste. De nouveaux incidents un peu partout en France après la bousculade du ministre de l'Éducation nationale par des lycéens à Narbonne. Plusieurs membres du gouvernement ont dû annuler leur déplacement pour éviter de nouveaux accrochages. À Montélimar, le sous-préfet n'est pas prêt d'oublier la cérémonie d'inauguration où il était convié. Pris à partie par la population qui semblait s'être déplacée tout spécialement pour l'occasion, il a essuyé de violents jets d'œufs pourris et il a été contraint de s'enfuir en courant pour éviter un véritable lynchage. À Perpignan, c'est le directeur de l'hôpital qui a fait les frais d'une algarade assez embarrassante. Capturé par des énergumènes peu scrupuleux, il a été plongé dans un baril de goudron, puis recouvert de plumes, avant d'être exhibé sur un poteau dans les rues de la capitale catalane. Il semble qu'un fossé de plus en plus large se creuse entre les Français et leurs dirigeants. Un grand débat sur la délicate question de la crédibilité des élites, réunissant de nombreux intellectuels, sociologues, politologues, historiens, psychanalyste, astrologue, aura lieu ce soir et sera diffusé sur de nombreuses chaînes de télévision et de radio. Alors là, je crois qu'on est arrivé à un point de rupture. Il faut savoir si ça va durer ou retomber comme un soufflé au fromage. Il va falloir frapper un grand coup. Les notables se méfient. Vous avez bien vu. Ils sortent que sous votre protection maintenant. Et si vous vous en preniez un poète connu. Le voilà le buzz. Je vois déjà les grands titres dans la presse. Un grand poète kidnappé par des terroristes. Et bien sûr, le grand poète, ce serait toi. Et qui d'autre? C'est pas bête ce qu'il dit. T'es sérieux là? Bah oui. Mais il faudrait que l'on trouve une personne qui bénéficie d'une grande notoriété. Et sur mon blog, j'ai plus de 7000 visites. Je crois que j'ai une idée. Suivez-moi. Au réveil, je rêve encore des idées. La vie doit être en réalité d'être plus vivant. Au soir,
Parle-nous d'aller bas. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Même pour faire un kidnapping, il faut qu'on ait l'air de Charlot. Quoi? Ça change de ce qu'on voit d'ordinaire. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Je trouve que tu manques singulièrement de fantaisie. De fantaisie? Tu trouveras pas, toi? Bon, on verra ça plus tard, hein, d'accord? Bon, allez, prenons pas et... C'est un bon produit. L'imprimé Panthère, ça convient très bien aux femmes. C'est très sexy. Tête de mort, ça fait effrayable. C'est ce qu'on recherche, non? On a les calibres. Ouais. Bon, il n'y en a que deux. Je voulais laisser moi de façon, je sais pas m'en servir. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. T'es là. Ta gueule. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Si tu veux pouvoir encore chanter, t'as intérêt de faire ce qu'on te dit. Et d'abord, tu vas mettre ça. Non mais vous plaisantez. On en a l'air. Et ça aussi. Tu vas mettre ça aussi. Non mais arrêtez. Si on me reconnaît, ça n'est fini de mon image. Justement, c'est fait pour pas qu'on te reconnaisse. Hein. C'est fait esprit. Allez. Je sais pas ce que vous projetez, les gars, mais je suis sûr que ça va foirer. On aura vite fait de remarquer mon absence. Vous entendez déjà comme le public gronde? Mais oui, allez, file! Kiko! Qu'est-ce qu'il fout? Ils vont tout casser dans la salle. Kiko! Il est peut-être pas là, il est au chiotte. Non mais c'est quoi encore cette histoire les gars là? Me dites pas qu'on va aller faire un tour à vélo, pas maintenant, pas en pleine ouais, nuit. Ouais, écoutez, tu vis un moment historique mon gars. Premier enlèvement en vélo. Allez, zou. Allez, prends le rouge. Non mais c'est une blague là. C'est une blague, ça va, j'ai compris. C'est encore un coup de Jean-Marc et des Fatal Picard. Allez, arrête de nous pomper l'air là. Tu prends le vélo rouge, tu nous emmerdes pas. Hein. Allez, monte. Allez. Et t'oublie pas que je suis derrière toi, hein, t'as compris? Au moindre écart, je te fous une bastos. T'as pigé? Allez, file. Allez, zou, 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 zou. Je savais pas que le public de Kiko c'était des écolos. Ça, c'est des pauvres qui n'ont pas le permis. On va casser la croûte. Ah, yes.
Allez, je te guide. Allez. Par ici. Voilà, par ici, viens, voilà. C'est bon ? Oui. Oui, t'inquiète pas, il est enfermé dans la chambre. Bon, mais faut avertir la presse maintenant. Je vais le faire. T'es sûr ? Mais oui, t'es vraiment craintif comme garçon. Il y a des jours, je me demande si tu me prends pas pour un imbécile. Au fait, ce téléphone, il vient d'où ? Il y a une collègue au boulot qui cherche le sien. Elle veut savoir. T'as pas fait ça, quand même. Eh si. Bon, téléphone, indépendant, 04 68 91 71 31. Oui, l'indépendant. C'est pour déclarer un enlèvement. Un enlèvement? Mais oui, bien sûr. Mais écoutez les jeunes, on est en plein bouclage là, ok? Donc si vous voulez vous amuser, vous êtes gentils, vous appelez des confrères. Allez, ciao. Bon, ça commence bien, hein. T'es pas assez ferme, c'est pas crédible. Et voilà, c'est toujours ma faute. Tiens, passons le téléphone. Je vais essayer. Tu me passes le numéro de Millilibre. Alors, 04 68 80, 32 92 74. Millilibre, j'écoute. Ici le commando Don Quichotte. Nous venons d'enlever le chanteur Kiko. Nous venons effectivement de recevoir une dépêche à propos de la disparition du chanteur. Vous prétendez l'avoir enlevé ? Je viens de vous le dire. Mais vous êtes qui exactement ? Vous avez des revendications ? Je le répète, nous sommes le commando Don Quichotte. Quant à nos exigences, nous vous les communiquerons dans la soirée. Pour le moment, le chanteur va bien. Vous avez intérêt que ça continue. Si tout se passe bien, nous ne lui ferons aucun mal. Allô ? C'est vrai que tu le fais bien. Ça fait vrai. Tu t'étais entraîné ? Ouais, tous les soirs. Ouais, bon, les gars. Maintenant, il faut préparer les revendications. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est faire de cette opération une tribune pour dire aux gens ce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. C'est un peu... Dès que Kiko sera libéré, tout rentrera dans l'ordre. Ton message, il risque de passer aux oubliettes. C'est pour ça qu'il faudrait obtenir une plage régulière d'informations. Pourquoi pas une émission hebdomadaire ? Ouais, ce serait pas mal. Hein ? Vous voyez, j'ai bien fait de prendre des bas qui sortaient un peu de l'ordinaire. Pour passer à la télé, ça le fera. Mais non, ça va pas être pour nous, tu le comprends bien, et surtout pas sous cette forme-là. Ah bon ? Et pour qui alors ? Pour des associations citoyennes. Ah ouais. Tant qu'on y est, on pourrait pas réclamer un peu de blé ? Ouais, partir en vacances à Honolulu. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu as, toi ? Il y a quelque chose qui me travaille. Et quoi donc ? C'est Poulit. Il faudrait quand même faire quelque chose pour lui, non ? C'est vrai que c'est quand même pas juste de le laisser moisir en prison. Eh ben,
C'est simple. Dans notre revendication, on demande la libération de l'exhibitionniste Poulite. Dit comme ça, tu vois, on ressent pas vraiment la dimension politique du geste. Et pourquoi tous les prisonniers sont des prisonniers politiques, hein ? Sans doute, mais c'est vrai que là, ça colle pas trop quand même. Il faudrait un truc qui fasse général, tu vois, cause universelle. Bah oui. Ah ben on la joue. Libérer les artistes emprisonnés. Eh ben voilà. C'est mieux déjà. Et tiens, à propos d'artistes, je vais le regarder, l'artiste, oui, d'année. Allez, maintenant les gars, on se met au boulot. Tiens, je t'ai apporté de l'eau. Je vous ai entendu parler tout à l'heure. C'est pas du fric que vous voulez? Oh non, on est au-dessus de ça. Ah bon? Il m'a semblé vous entendre parler de Poulite. Poulite, le peintre? Tu le connais? Bien sûr. Je suis passé 2-3 fois par sa galerie. J'aime vraiment ce qu'il fait. On a même mangé ensemble une fois, il m'avait invité. Tu l'aimes bien, Poulite? Il est plutôt intéressant et un gentil garçon. Il est tantôt là. Merde! Mais c'est quoi au juste votre action? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le faire libérer? Oui, mais pas seulement. On veut changer le cours du monde. Tu sais, on a déjà fait plein d'actions. On a fait une action sur la sous-préfecture. On avait lancé une bombe avec un ULM. Bon, ça n'a pas trop bien marché. Mais avec Poulite, justement, on a fait quelque chose de super. On a fait l'arobin pour les larbins sur la place d'un village. Et tu sais, il y avait du monde. Ça a vraiment remué la population. Alors ça, on fait des actions comme ça, tu vois. Eh ben, dans ce cas, je suis avec vous, les gars. T'es sérieux? Mais bien sûr, tout à fait. Je suis solidaire. Bienvenue dans le commando! Viens! Mais qu'est-ce que tu fous? Il va nous reconnaître maintenant. Il est avec nous! Oui, sérieux les gars, je suis avec vous. Je suis solidaire, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il vous faudrait même demander une émission découverte pour les artistes de province. Ici, c'est tellement difficile de faire connaître son travail. On est tellement loin des réseaux, des décideurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi pas? Comme vous voulez. C'est ok. Nous sommes les membres d'un commando de libération des esprits. Nous détenons l'auteur-compositeur-interprète Kiko. Sa vie est entre nos mains. Voici ce que nous exigeons en compensation de sa libération. Premièrement, 1 heure d'émission hebdomadaire réservée aux associations citoyennes qui se chargeront d'organiser les débats sur des thèmes à leur convenance. Deuxièmement, une émission spécifique aux artistes de province avec à la tête un comité de sélection indépendant qui permettra de diffuser des œuvres de qualité à l'abri de toute compromission et des jeux d'influence des réseaux habituels. Ces deux programmes, d'ailleurs, auront lieu sur une chaîne publique à des heures de grande écoute. Et troisièmement, nous exigeons la libération immédiate des artistes emprisonnés. Nous dénonçons la détention sans fondement du peintre plasticien Poulite, arrêté pour l'exposition d'œuvres d'art avant-gardistes. C'est bon? Allez, go. Si avec ça, tu fais pas pleurer dans les chaumières, c'est à désespérer. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Allez. Oui, bonjour madame, commandant Olive, est-ce que je pourrais parler au directeur s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour monsieur le directeur. Voilà, il me faudrait quelques informations à propos d'un de vos nouveaux pensionnaires, arrivé récemment. Oui, le peintre Poulite. Oui, je note. Dites-moi. Ok. Oui, tout à fait. Nous sur les coups de 18h, c'est ça. Pas de problème. À la foule assemblée, je me suis adressé. Un
chanter le bleu. Tu ferais mieux de chanter le bleu. Oui, bonjour, pourrais-je parler à Kiko, s'il vous plaît? Je vous le passe. Kiko, c'est pour toi. Mais tu déconnes ou quoi, là? Oh, putain, c'est pas moi. Comment ça, c'est pas toi? Bonjour, Kiko, commandant Olive. Est-ce que tout va bien? Qui demandez-vous? Oui, vous répondez sous la contrainte. Écoutez, passez-moi vos agresseurs. Qu'est-ce que c'est? C'est la police. La police? Allô, allô, monsieur, c'est une erreur, non? Bon, écoutez, l'appartement va être pris d'assaut. Moi, si je vous appelle, c'est pour éviter un carnage. Mais c'est pas nous, hein. C'est comme vous voulez. Attendez, je vais vous passer un ami. Les mecs, la maison est entourée de flics. Ils vont tout défoncer, ils vont nous massacrer comme ils font d'habitude. Nous, chez Menu, comme c'est... Bon, allez, passe. Bonjour, monsieur. Monsieur Lastre, je suppose. Bon, écoutez, il va falloir être raisonnable. Pour l'instant, la situation n'est pas encore tragique. Je pense qu'on doit pouvoir régler ça entre personnes sensées. Si vous le dites. Écoutez, je vais venir vous voir, ce sera plus simple pour parler. D'accord? D'accord, venez. Mais attention, pas d'un tour loupe, hein. Ok, allez, à tout de suite. Ah oui, oh. Ah, c'est pas vrai. Ah, écoutez, on n'a pas le choix, hein. Faut négocier. Eh. Moi non, mais j'y vais pas. Et alors? Bon, mais j'y vais. Commissaire. Exactement ce que je pensais. Détendez-vous. Ça va bien se passer. Je sais que vous n'êtes pas des méchants. Ben non. Kiko a l'air d'aller plutôt bien. Il a pas l'air d'avoir trop souffert. Ça va, ils ont plutôt été corrects avec moi. Le mot accueillant serait plus approprié, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer. Non, mais je crois que j'ai compris. Non, mais ça va pas la tête. Non, mais franchement, un enlèvement. Vous savez que ça relève des assises? Vous imaginez les conséquences de votre petite pitrerie? On recommencera plus. Ouais. Ah non, exactement ce que j'imaginais. Exactement ce que j'imaginais. Quand j'ai vu vos images là de votre cavalcade en ville. Ah, vous les avez vues? Vous êtes aussi et surtout très con. Mais vous vous rendez pas compte que le monde s'effondre tout seul, il a pas besoin de vous. Ça craque de partout, les gens en ont marre. Mensonges dans les discours, dans les analyses, dans les statistiques. Les gens y croient plus. Bon, on essaye de tenir en se disant qu'on mettra en place un nouveau truc, mais c'est cuit. C'est cuit? Il y a qu'à se mettre à table. Et pour nos revendications? Ah ouais, j'avais oublié. Bon, pour l'émission, c'est arrangé. En plus, ça arrange tout le monde, hein. Les politiques se disent que vaut mieux que les polémiques sortent maintenant et les protestations avec. Puis c'est toujours mieux que de les voir surgir de la rue. Et pour les artistes de province, vu la médiocrité de ce qu'on nous propose à la télévision, ça intéresse plus personne de toute façon. Donc je pense qu'un peu de sang neuf, ça pourra qu'apporter quelque chose. Et pour Poulite? Pour Poulite, c'est plus délicat. On peut pas quand même le laisser se morfondre en prison. Et c'est quand même un peu de notre faute s'il est là. Mais c'est lui qui refuse de sortir. Pardon? Je suis allé le voir dans sa cellule hier après-midi. Ah mais attendez, c'est qu'il râlait parce qu'il avait pas le temps. Ah, il s'est remis à peindre depuis qu'il est à la maison d'arrêt. Et puis, attendez, la grâce lui est tombée dessus. Son inspiration s'est complètement révélée. Ah non, mais je vous assure, j'ai vu quelques-unes de ses toiles. Ah, c'est sublime. J'ai même essayé d'en réserver une. Il m'a foutu dehors.
Vous pensez que ça marcherait aussi pour la musique? Oui, déjà on va régler ta sortie d'ici, d'accord? Ce qu'on va faire, tu partiras de nuit et tu viendras me rejoindre dans ma voiture. Je vais justifier ta libération par un long marchandage pour les émissions de télé. Et pour la presse? Pour le public, l'État peut pas céder à une poignée de preneurs d'otages. Non, on va raconter que... Ouais. L'opération de police s'est bien passée, mais malheureusement, les terroristes se sont enfuis. Non, puis après, on leur lâchera un os, on leur dira qu'ils sont sur vos traces et que votre arrestation, c'est juste une question d'heure. Et vous savez comment ça marche. Une information nouvelle balère à l'ancienne. Et... Ouais. Je pense que... On va vite oublier toute cette histoire. C'est excellent, ça. Ça s'arrose. Eh oui, j'ai justement une petite mixture artisanale dont vous me donnerez des nouvelles, commissaire. Vous auriez pas dans l'idée de m'empoisonner? Par-dessus du pomme au cœur, au-dessus des lois, trois amateurs par-ci par-là, trois arnaqueurs au-dessus des toits. Voyager même sans bouger, articuler pour mieux s'arrêter. Rêver autour d'un monde enlacé, sans réveiller désarticulé. Que le soleil n'existe plus, solitaire comme nu. On se demande bien si ce jour viendra. Moi je voulais me retrouver du bleu au-dessus des toits. Tcha tcha tcha. Ciao, 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 ciao. Sans enrayer nos belles ratures au trait portrait. Tel est mon souhait d'envisager trois amateurs désarticulés. Un alibi veut me parler, serait si facile à imaginer que ce mélange débordant serait démocrate à 100%. Que le soleil n'existe plus, solidaire comme nu. On se demande bien si ce jour viendra, moi je...